Tenons-nous debout maintenant. Let us stand up now. Prie d'abord pour toi-même. First of all, pray for yourself. Demande à Dieu un esprit de sagesse et de révélation. Ask God to give you a spirit of wisdom and revelation. Pour que tu comprennes, for you to understand, quel type de prière il faut pour ta famille. What type of prayer is needed for your family? Quand tu vois comment les gens se comportent, when you see how people behave, quand tu leur dis la vérité, when you tell them the truth, ils ne croient pas. They don't believe. Mais s'il y a quelqu'un qui vient mentir, but if somebody comes and lie, ils croient. They believe. Même s'ils sont convaincus que celui-ci est un sorcier, even if they are convinced that this one is a sorcerer, ils vont toujours croire que c'est un grand prophète. They will always believe that he's a great prophet. C'est Dieu qui peut ouvrir leur esprit. It's only God who can open the mind. Dis, oh Père, fais-moi voir, fais-moi comprendre. Oh, say, oh Lord, make me see, make me understand. Fais-moi comprendre. Make me understand. Même si un ange, that even if an angel, venez leur annoncer l'évangile, comes to preach the gospel to them, il fermerait toujours leur cœur. He will always close their, they will always close their heart. Oh Père, say, oh Father, fais-moi comprendre, make me understand, qu'ils ont été livrés, that they have been given over, au penchant de leur cœur, to the inclination of their hearts, et que c'est toi seul, and that is you alone, qui peut enlever les bouchons de leurs oreilles, can remove the things that block their ears. C'est toi qui peux les bénir. You alone can bless them, afin qu'ils reçoivent tes serviteurs, so that they receive your servants, ils reçoivent l'évangile, that they receive the gospel. Oh Père, say, oh Father, fais-moi voir, make me see, que si tu n'enlèves pas ces bouchons, that if you don't remove those cups, personne ne peut les convertir. None of them can convert them. Ils ont péché contre toi. They have sinned against you. Et tu les as livrés. And you have given them over. Nous sommes loin de toi. And we are far from you. Oh Père, say, oh Father, ramène ceux qui sont des rétrogrades. Bring back those who are backsliders. Ils ont cru. They believed. Mais après deux jours, but after 2 days, ils ont rétrogradé. They backslided. D'autres ont rétrogradé après un an. Others backslid after 1 year. D'autres après 5 ans. Some after 5 years. Quand on espérait déjà, when we are already hoping, que quelque chose était en train de se produire, that something is being, was being produced, ils sont devenus infidèles. They became unfaithful. Oh Père, oh Father, visite-nous. Visit us. Visite-nous. Visit us. Continue à prier. Keep praying. Oh Père, donne l'intelligence à ton peuple. Oh Father, donne la sagesse. Understanding que les écailles tombent. To your people. Que la lumière luise dans l'esprit. Que chacun comprenne. Let each one understand. Que le salut de sa famille. The salvation of demande his family. Une révélation directe du Seigneur. Requires a direct revelation from the Lord. Oh Father, agis maintenant. Act now. Agis maintenant. Act now. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant.
Dis, oh Père, say, oh Father, ouvre les oreilles, open their ears, ouvre leur esprit, open their mind, qu'ils comprennent, for them to understand, qu'ils se convertissent, and be converted. Oh Père, oh Lord, permet qu'ils voient, allow them to see, permet qu'ils entendent, that they hear, permet qu'ils comprennent, and that they understand, permet qu'ils se convertissent, allow them to be converted, et que la guérison soit libérée, and let healing que be la released, guérison soit libérée, that healing be released. Maintenant, mets-toi dans une position de supplication. Tu parles à Dieu. Now, put yourself in a position of supplication and speak to God. Tu parles à Dieu. You speak to God. Dis à Dieu, à moins que tu ne fasses quelque chose. Tell God, unless you do something. Ils ne sont pas prêts, nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas prêts. We are not ready, we are not ready. À moins que tu n'agisses. Unless you act. À moins que tu notes les cailloux, les pierres qui sont dans les oreilles. Unless you remove the stones that are in the ears. Rien ne se produira. Nothing will be produced. Oh Père, 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 oh Father. Ora baka jor baka go baka jor 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 baka Oh Père, say, oh Father, permets qu'ils entendent l'Évangile. Allow them to hear the gospel. Permets qu'ils entendent l'Évangile. Allow them to hear the gospel. Envoie tes enfants. Let us see your children. Envoie tes disciples. Send your disciples, your envoie children. Tes évangélistes. Send your evangelists. Envoie tes pasteurs. Send your pastors. Envoie tes apôtres. Send your apostles. Envoie send, ton armée. Send, send. Envoie ton armée. Send your envoie army. Ton armée. Send your envoie army. Ton armée. Send your army. Envoie ton armée. Send your army. Et ouvre leur esprit. And open the ouvre mind. Les oreilles. Open the ears. Ouvre les oreilles. Open the ears. Ouvre les oreilles, qu'ils entendent, qu'ils comprennent, qu'ils se convertissent, qu'ils soient sauvés. Continue à prier avec les frères. Dieu Père, que l'esprit de religion qui les possède soit brisé. Let the spirit of religion that possesses them be broken. Oh, envoie tes enfants. Oh, send your children. Oh, envoie tes disciples. Oh, send your disciples. Envoie tes disciples. Send your disciples. Envoie tes évangélistes. Send your evangelists. Envoie tes pasteurs. Send your pastors. Envoie tes prophètes. Send your prophets. Envoie tes apôtres. Send your apostles. Permets qu'ils les rencontrent dans leur voyage. Allow them to meet them in their trips. Qu'ils les rencontrent dans leur voyage. Let them meet them in their trips. Qu'ils les rencontrent au marché. Let them meet them in the market. Qu'ils les rencontrent dans les services publics. Let them meet them in the public services. Oh, qui prêche. Let them preach. Avec onction. With anointing. Que les oreilles ouvertes. And let the ears les yeux be open. The eyes open. Ils acceptent le Messie. That they accept continue the Messiah. À prier. Keep praying.
Prions en langue, prions en langue. Let's pray in tongue, pray in tongue. Oh Père, say, oh Father, pardon les incestes, forgive incest, pardon les fronieries, forgive drunkenness, pardon la rébellion, forgive rebellion, pardon la méchanceté, forgive wickedness, pardon la violence, forgive violence, la violence, violence, la cupidité, greed, pardon la religiosité, forgive religion, continue à prier Dieu, keep praying. Oh Père, oh, pardon l'ivrognerie, forgive drunkenness, pardon la drogue, forgive drug, pardon la cupidité, forgive greed, pardon la haine, forgive hatred, pardon les divisions, forgive divisions. Continue à prier, continue keep praying, à prier. Keep praying. Tenons-nous debout. Let us stand up, please. Dis merci, Seigneur. Say thank you, Lord. Merci pour ta grâce. Thank you for your favor. Dis Seigneur. Say Lord. Visite-nous en tant que ton peuple. Visit us as your people. Visite-nous. Visit us. Guéris toute maladie. And heal every sickness. Qui est une conséquence directe du péché. Which is a direct consequence of sin. Oh Père. Oh Father. Visite. Visit. Et guéris. And heal. Visite. Visit. Et délivre. And deliver. Priez de telle sorte que si un frère avait commis une faute. Pray in such a way that if a brother has committed a sin et qu'il est allé en prison, and that he's gone to prison, prions de telle sorte que Dieu lui accorde la grâce, il sorte de la prison. If he has done something wrong and has been taken to prison, pray in such a way that he comes out of prison. Prions. Let us pray. Que si un frère that if a brother a une maladie, has a sickness, comme le VIH, as HIV, qu'il guérisse de ce mal, that he get healed from that evil. Toute maladie, every disease, toute maladie, every sickness, tout châtiment, every punishment, à cause du péché, because of sin, que le Seigneur pardonne, that the Lord forgives, qu'il guérisse, that he heals, qu'il guérisse, that he heals. Si une femme a tenté d'avorter, if a woman has tried to abort, et a perdu les trompes ou l'utérus, and has lost the uterus or the tubes, crions à Dieu. Let us cry out to God. Qu'il pardonne. That he forgives. Il a des utérus dans son magasin. There are some uterus, some wombs in his store. Il peut changer. He can change. Il peut donner l'utérus à une femme. He can give the womb to a woman. Même si on l'a déjà enlevé. Even if it has already been removed. Il peut opérer. He can operate. Greffer. And in a transplant. Divinement. Divinely. Et il y aura un miracle. And there will be a miracle. Prions ensemble. Let us pray together. Yoko rubaka sakara baka sakara baka.
Oh Père, oh Father, 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 oh Father, oh Père, 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 oh Forgive. Pardon. Forgive. Pardon. Forgive. Si c'est un enfant qui a cru, if it's a friend, a brother that has believed, était sorti de ta main, and he went out of pour aller commettre des abominations, to commit abomination, et qui se retrouve en prison, and he finds himself in prison. Oh Père, pardon. Oh Father, forgive. Ramène. Bring him back. Oh Père, pardon. Ramène. Forgive and bring him back. Oh Père, pardon. Ramène. Oh Father, forgive and bring him back. Si tu avais délivré quelqu'un, if you had delivered somebody, de la drogue. From drug, et il est retourné, and he went back, et qu'il est devenu fou, and he has become oh, mad. Guéris-le. Oh Father, oh, guéris-le. Heal him. Guéris-le. Heal him. Guéris-le. Heal him. Oh Père. Oh Father. Oh Père. Oh Father. S'il y a quelqu'un, if there's somebody, qui a vécu dans le péché, who has lived in sin, de l'immoralité, of immorality, qui a ramené la maladie, and bring the disease, comme le VIH, as les HIV, autres maladies, and other diseases. Oh Père. Oh Father. Oh Père. Oh Father. Interviens. Intervene. Intervient. Intervene. Pour pour délivrer, to deliver, pour guérir, to heal, continue à prier. Keep praying. Dieu au Père, par tes compassions, par tes compassions, par tes compassions, délivre et guéris, délivre et guéris, délivre et guéris, délivre et guéris. Continue à prier. Keep praying. Reba kashibaka. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands upon your head. Dieu, oh Père. Dieu, oh Father. Visite nous. Visit us. Visite nous. Visit us. Visite nous. Visit us. Agis. Act. Contre toute maladie. Against every disease. Dit incurable. Which is said to be toute maladie. Incurable. Every disease. Dit humainement incurable. Said to be humanly visite incurable. Visite maintenant. Visit us now. Oh, Père. Oh, Father. Manifeste ta bonté. Manifest your goodness. Brise le joug de ce mal. Break the yoke of that evil. Oh, Jésus. Oh, Lord. Brise le joug de ce mal. Break the yoke of that evil. Dis, Seigneur. Say, Lord. On n'entend plus parler de maladies incurables dans ma vie. Let us not hear talking about incurable disease in my life. Oh Père. Oh Father. Brise ce joug. Break that yoke. Libère tes enfants. And release your children. Libère tes enfants. Release your children. Oh Père. Oh Father. Oh Père. Oh Father. Agis. Act. Par compassion. By compassion. Par miséricorde. Mercy. Par miséricorde. Your mercy. Continue à supplier Dieu. Continue to beg God. Prions en langue. Let us pray in tongues. Tout le monde prie en langue. Everybody pray in tongues. Même si tu n'as pas encore parlé en langue. Even if you have not spoken in tongues yet. Saisis l'occasion. Lay hold of this occasion. Parle maintenant. Speak now.
Saisis l'occasion. Lay hold of this opportunity. Parle maintenant. Speak now. Dis, ne résiste pas, va, va, do not va. Resist, go, go. Dis au nom de Jésus, in the name of Jesus, quitte le sang, va, the blood, go. Au nom de Jésus Christ, in the name of Jesus. Continue à prier. Keep praying. Dis, quitte le sang, quitte le sang, quitte le sang, va-t'en, 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 va-t'en. Dis, va-t'en, va-t'en. Sida, va-t'en, va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Va-t'en. Tu es banni. You are banned. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Dis, diabète. Say diabetes. Diabète. Diabetes. Toi aussi. You also. Tu fais partie de ces maladies-là. You are part of those. Va-t'en. Be gone. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Dis, va-t'en. Ne résiste pas. Do not resist. Va-t'en. Be gone. Continue à prier. Keep praying. Ora baka jer baka go jer baka. Ora baka jer baka go jer baka. Ora baka jer baka jer baka. Ora baka jer baka. Ora baka jer baka. Ora baka jer baka jer baka. Ora 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 baka jer baka. Ole kabala se me kara baka. Ore baka re baka. Ore akasa mari kabala. Yebi gasuma. Ora baka diri basanga. Yebi baka diri basanga. Hypertension, va-t'en, au nom de Jésus, va-t'en vite, continue à prier. Keep praying. Anémie sévère. Va-t'en. Continue à prier en langue. Keep praying in tongues. Insuffisance rénale. Va-t'en. Tu es banni, banni, banni. Continue à prier en langue. Keep praying. Atroze. Va-t'en. Nous t'écrasons. Au nom de Jésus-Christ. Prie en langue. Drépanocytose. Va-t'en. Tu es écrasé. Au nom de Jésus-Christ. Asthma.
Sunizit. Va. Au nom de Jésus-Christ. Colonne vertébrale tordue. Agis maintenant. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands upon your head. Tu poses là où tu es malade. And you put your hand where you are. You feel the pain. Tu poses là où tu es malade. You lay your hand on your head or you lay it where on the place where you feel the pain. Si tu connais le nom de la maladie, tu dis de partir. If you know the name of the disease, tell him to tell it to go. Si tu ne connais pas, tu dis maladie, va-t'en. If you don't know, he said disease, be gone. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Guérison divine. Divine healing. Agis. Dans la plénitude de la puissance divine, dans chaque corps, in each body, maladie, qui que tu sois, sickness, va-t'en, whoever you are, va, disparaît, les kystes disparaissent, les boules disparaissent, au nom de Jésus-Christ, les bosses disparaissent. Hump disappear. Les bosses disparaissent. Hump disappear. Disparaissent. Prions en langue. Last prayer. Urabaka, du paludisme. Va-t'en. Paludisme. Va-t'en. Continue à prier. Urga bajir baga. Di kari dante. Dante vata. Va. Go bajir baga. Urga bajir baga. Tout ce qu'on appelle maladie, c'est everything that is named ce qu'on appelle maladie, sickness. Dit, c'est une guerre contre toi. It's a war against toi, maladie. You, sickness. Quel que soit ton nom, whatever your name. Quel que soit ton nom, whatever your quel name. Quel que soit tes origines, whatever your origin. Va-t'en. Urabaka sarbaka. Dis au nom de Jésus, que toutes les maladies de la langue guérissent. Let all the sicknesses of the tongue au nom de Jésus-Christ.
continue à prier. Keep praying. Kotarabaseka, 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 kotarabaseka. Dieu Père, Father, combat pour nous. Fight for us. Dans les lieux célestes. In heavenly realms. Combat pour nous. Fight for us. Dans les eaux, sous les eaux. Under the dans les eaux, sous les eaux. Combat pour nous. Combat pour nous. Dans les abîmes. Dans les abîmes. Dans le séjour des morts. Dans les forêts sacrées. Combat pour nous. Combat pour nous. Dans toutes les cases d'idolâtrie. Dans les cases des crânes. Dans les rivières. Dans les rivières, dans les collines. Dans les collines. Dans les rochers. In hills, sous les rochers. Rocks, oh Père, agis. Oh Lord, agis. Act, et contre toute maladie. Against contre toute disease, maladie. Against every contre toute maladie. Against every dis au nom de Jésus. The name of Jesus. Nous jugeons toute maladie. We judge every sickness. Nous jugeons toute maladie. We judge every sickness. Qui provient des alliances des ancêtres. That originate from the des alliances des ancêtres avec les démons. From the pact of the toute maladie. Every disease. Dis au nom de Jésus. Say, oh Jesus. Toute maladie héréditaire. Every hereditary nous disease. La brisons. We break it. Nous brisons les maladies héréditaires. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Continue à prier en langue. Dis au nom de Jésus, c'est une maladie et le fruit d'un sort ou d'un envoûtement ou d'un enchantement ou d'une divination. Nous brisons cet enchantement. Nous brisons cet envoûtement et nous déclarons la maladie vaincu, écrasé, vaincu, écrasé, vaincu, écrasé, vaincu, écrasé, vaincu, écrasé, vaincu, écrasé. Au nom de Jésus. D'ici une maladie a suivi quelqu'un. If a disease has followed somebody, parce qu'il a marché sur les médicaments. Because he walked on, il a marché sur les fétiches. He walked on fetishes, que quelqu'un est venu jeter. That somebody came to cast, avec la recommandation que le démon suive la personne qui vient traverser. With the recommendation that the demon will follow the person avec la recommandation que le démon suive la personne qui va traverser ou qui va marcher sur le médicament. Walk on it, nous on jugeons it. Cette méchanceté. We judge that wickedness. Nous jugeons le démon. Judge that demon. Et nous le chassons. Et nous chassons la maladie. We cast the disease out. Nous jugeons la méchanceté. We judge the wickedness. Et nous jugeons ce démon. And we judge et nous chassons ce démon. And we cast et nous proclamons demon. Libéré. And we proclaim libéré. That you are free. Et guéri. Heal. Toute personne every person qui en est devenue malade, continue à prier. Keep continue praying. À prier. Kota rabaka sakarabaka, urabaka sere bakasaba, urabaka sere bakasabaga, urabaka sere baka, 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 urabaka sere baka. Dieu au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. C'est une femme. If a woman a été consultée par un sorcier, has been gynécologue. Has been consulted by a sorcerer qui a envoûté le bébé. Who bewitched the baby. Nous déclarons cet enfant libre. We declare that child free. Où qu'il soit. Wherever he is. Quel que soit son âge maintenant. Whatever his age. Nous jugeons l'esprit qui l'a suivi. Judge the spirit that followed. Nous jugeons l'esprit qui l'a suivi. Judge the spirit that nous jugeons l'esprit qui l'a suivi. We judge the spirit that followed. Ketakere katakere katakere kata. Yere kade kabaka seka baka seka. Reba kaseka reba kaseka. Reba kaseka reba kaseka. Si tu es une femme, if you are a woman, dis je juge, say, I judge tout esprit qui m'a suivi every spirit that followed me. Parce qu'un rosicrucien gynécologue m'a touché. Because dis démon, va-t'en, va, 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 go. Je n'ai pas besoin de toi. I don't need you. Continue à prier. Dieu au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. S'il y a un enfant ici, if I, there is a child here, ou un adulte, or an adult, qu'une sage-femme, that midwife, ou qu'un gynécologue avait aimé, or that a gynecologist loved, parce qu'il était un bébé gentil ou bien beau. Because it was a beautiful or kind baby. Et ils ont donné leur esprit. And they gave their spirit. Pour s'attacher à l'enfant.
to be attached to the child. Nous brisons ce lien. Break that tie. Nous brisons ce lien. Break that tie. Nous libérons cet enfant. We release that child. Nous libérons cet enfant. We release that child. Nous libérons cet enfant. We release that child. Nous bénissons son comportement. Bless his behavior. Qu'il devienne normal, 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 normal. Nous bénissons un tel homme. Nous bénissons un tel homme. Qu'il devienne normal. Qu'il devienne normal. Qu'il devienne normal. Qu'il devienne normal. Continue à prier. Keep praying. S'il y a quelqu'un ici, if there's somebody here, qu'un sorcier, dont un sorcier fait manger sa salive, whom a sorcerer made him eat his saliva, s'il y a quelqu'un ici, if there's somebody here, à qui un sorcier a donné sa salive, to whom a sorcerer gave his saliva, et un lien a été établi, and a tie has been established, et les démons ont été établis, and demons were established, nous brisons ce lien, break that tie. Nous sanctifions we sanctify esprit, âme et corps. Spirit, nous brisons ce lien et nous sanctifions la personne. And we sanctify nous brisons ce lien et nous sanctifions la personne person au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Asseyez-vous. Sit down. Nous brisons ce lien break that tie. Nous sanctifions la personne. And we sanctify the person. Nous brisons ce lien break that tie. Nous brisons ce lien break that tie. Et nous sanctifions la personne. And we sanctify the person. Dis si il y a quelqu'un ici. Say if there's somebody here qu'on a envoûté, who has been bewitched. Vous savez, you know, personnellement, je ne conseille pas que quelqu'un mange dans son plat, il prend le reste et il te donne. Personally, I don't advise that somebody eats in his plate and give you the rest. Mais on peut t'envoûter. But you can be bewitched. On te donne la nourriture qui reste. They give you the food. Dès que tu manges, as soon as you eat, tu es envoûté. You are bewitched. S'il y a quelqu'un ici, so if there's somebody here qui a été envoûté, who has been bewitched, en mangeant la nourriture donnée par un sorcier, by eating the food of a sorcerer, dans le but de l'envoûter, in the tu es libéré. The purpose to bewitch him, you are released. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Tu es libéré. You are released. Tu es libéré. You are free. S'il y a quelqu'un, if there's somebody qui a été introduit dans la sorcellerie, who has been introduced in witchcraft, à travers les couches de nuit, through the les rapports sexuels avec les démons, the sexual intercourse with demons, nous brisons cet envoûtement, break that bewitchment, et nous cassons l'initiative, and we break that initiative, nous cassons l'initiation, break that initiation, nous cassons cette initiation, break that initiation. Nous cassons cette initiation. Break that initiation. Dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Toute initiation. Every initiation. À travers les couches nocturnes. Through. À travers les rapports sexuels avec les maris de nuit. Wet dreams. Et quelqu'un m'a dit qu'il aimait ces rapports-là. Somebody told me that he loved that relation. Avant sa conversion. Before his conversion, that sexual relation. Dis si j'avais aimé. He said, if I had love, que ça a fortifié le lien, that it strengthened the tie. Nous brisons ce lien. We break that tie. Nous condamnons ces rapports maintenant. We condemn this. Nous ne les acceptons plus. We no longer accept them. Nous ne les acceptons plus. We no longer accept them. Nous les condamnons. We condemn them. Nous les jugeons. We judge them. Nous ne les acceptons plus. We no longer accept them. Nous les acceptons plus. We no longer accept them. Regarde,
Si l'esprit démoniaque a suivi quelqu'un, if the demonic spirit followed somebody, parce qu'il est parti demander un service, because he went to ask for help, au divin, to the diviner, sorcier, the sorcerer, peut-être le mariage, for maybe marriage, pour un emploi, or an employment, et le lien a été établi, and the tie has been established, à cause de cette demande, because of that request. Satan. C'est Satan. Ne me donne plus ce mari. Ne me donne plus ce travail. Je ne veux plus. No longer give me that work, that husband. Jésus va pourvoir. Jesus will provide. Toi, tu dois partir. You must go. Va-t'en. Be gone. Dis, j'insiste, va-t'en, 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 je n'en ai plus besoin, va-t'en, 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 va, 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 go. Gardez le calme. Remain calm. C'est poverty. Pauvreté, pauvreté. Poverty, poverty. Va-t'en. Be gone. Dis-toi, méchant esprit. Say you, wicked spirit. Si tu es venu, si tu as été envoyé. If you have been sent. Pour causer. To cause. La pauvreté. Pour introduire. To introduce poverty. La pauvreté dans ma vie. Poverty in my life. C'est ton jour de jugement aujourd'hui. Today is your judgment day. Même si tu as déjà commencé le travail. Even if you have started the work already. Nous mettons fin à ce travail. We put an end to that work. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Nous mettons fin à ton travail. We put an end to your work. Et nous te commandons de partir. And we command you to go. To nous te commandons de partir. We command you to go. Nous te commandons de partir. We command you to go. Nous te commandons de partir. We command you to go. Va-t'en, vite! Be gone quickly! Dis pauvreté. C'est poverty. Nous renversons tes armées. We overthrow your armies. Nous renversons tes armées. We overthrow your armies. Nous brisons les armes. We break their weapons. Nous brisons les armes. We break their weapons. Nous récupérons tout ce qui a été volé. We take back everything that has been stolen. Nous restaurons ce qui a été détruit. We restore that which has been destroyed. Nous débloquons ce qui a été bloqué. We unblock that was blocked. Gardez le calme. Remain calm. Tu vas le constater dans ta vie. You will
notice it in your life. Écoutez, les gens qui te doivent l'argent, people who owe you money, ils vont te remettre ton argent. They will pay back your money. Ils vont t'appeler. They will call you. C'est eux-mêmes ils vont t'appeler. They themselves will call you. Que viens prendre ton argent. And they will say, come and take your money. Ils vont rembourser. They will pay it back. Ils n'auront pas de repos. They will not have rest. Les armées sont renversées. The armies are overthrown. Tu auras la capacité d'épargner sans aller chercher ce que tu as épargné. You will have the capacity to save money without going and take it back. Et ton épargne va croître. And your saving will grow. Et le Seigneur te délivre des maladies qui avalent ton argent. Deliver you from diseases that take your money. Ça va s'accomplir. This will come true. Oh, Ridal Basa Karabaka, prions Alain. Let us pray in tongues. Rabaka saka. Je t'arrache tout ce que tu m'as volé. I snatch you from you all that you have stolen. Dis au nom de Jésus, esprit des montagnes, spirit of mountains, je te chasse de ma vie. I cast you out of my life. Écoutez, listen. Écoutez, priez bien. Listen, pray well. C'est la première fois que le Seigneur nous amène à juger l'esprit des montagnes. It's the first time the Lord leads us to judge the spirit of mountain. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit être délivré. That is, there's somebody who should be delivered. Dis esprit des montagnes. Say spirit of mountain. Que ce soit les montagnes de l'ouest, du centre, de whatever, l'est ou du nord. Be it the mountains of the west, the south, the center. Que ce soit du Côte d'Ivoire ou hors de Côte d'Ivoire. Be it in Côte d'Ivoire or out of Côte d'Ivoire. Partez! Be gone! Partez! Be gone! Va-t'en, vite. Be gone, quickly. Orabaka, prions en langue. Let us pray in tongues.
Nous vous dispersons. We scatter you. Nous vous dispersons. We scatter you. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Gardez le calme. Remain calm. Non, prenez là, ce n'est pas le parlant là. Take care. Partez! Be gone! Si quelqu'un est suivi par un esprit qui vient des forêts. If somebody is followed by a spirit that is from the forest. Il te suit depuis des années. He has been following you for years. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. You are free in the name of Jesus. Tu es libre. You are free. Tu es libre. You are free. Tu es libre. You are free. Gardez le calme. Remain calm. S'il y a quelqu'un ici. If there's somebody here. On a envoûté. Who has been bewitched. En utilisant les ossements humains. By using human bones. Va-t'en! Va et ne viens plus. Be gone and no longer come back. Tout esprit. Every spirit. Qui a suivi quelqu'un. That has followed somebody. Parce qu'on a pratiqué l'envoûtement. Because they have practiced bewitchment. En utilisant les ossements humains. By using human bones. Contre lui. Against him. Contre son nom. Against his name. Nous brisons cet envoûtement. Break that bewitchment. Et nous te délivrons. And we deliver you. De l'esprit de mort qui t'a suivi. From the spirit of death that followed you. Nous te délivrons. We deliver you. De l'esprit de mort qui t'a suivi. From the spirit of death that followed you. Nous te délivrons. We deliver you. De l'esprit de mort qui t'a suivi. From the spirit of death that followed you. Nous te délivrons. We deliver you. De l'esprit de mort qui t'a suivi. From the spirit of death that followed you. Nous te délivrons. We deliver you. De l'esprit de mort qui t'a suivi. From the spirit of death that followed you. Nous te délivrons. We deliver you. De l'esprit de mort qui t'a suivi. From the spirit of death that followed you. On va cacher, on va cacher. Toute pratique. Every practice. Tout envoûtement. Every bewitchment. À travers l'esprit de mort. Through the spirit of death. En utilisant les ossements d'un mort. By using the bones of a dead
body. Every spirit that has followed somebody. Parce qu'on l'a envoûté. Because he has been bewitched. En utilisant la terre de la tombe. By using the sand from the tomb. Ramassé au cimetière. That are collected at the graveyard. Tout envoûtement. Every bewitchment. Pratiqué avec la terre de tombe. Practice with the sand of the tomb. Et brisé. Brisé. Que les captifs soient libérés. And let the captive be free. Que les captifs soient libérés. Let the captive be free. Que les captifs soient libérés. Let the captive be free. Que les captifs soient libérés. Let the captive be free. Tout envoûtement. Every bewitchment. Qu'on a pratiqué. That I practiced. Avec la tombe des cimetières. With the tomb of the graveyard. Et un esprit de mort suit quelqu'un. And the spirit of death is following somebody. Va-t'en. Be gone. Nous mettons fin à ton travail. You don't ignore your word. Va! Be gone! Va! Be gone! Urubaka sarga baka 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 sarga baka. Va! Be gone. Va-t'en. Go. Va-t'en vite. Be gone quickly. Garde le calme. Remain calm. Dis nous insistons. Say we insist. Toute personne. Every person. Qui a été envoûté. Who has been bewitched. À travers les pratiques. Through the practices. Utilisant les habits d'un cadavre. Using the clothes of a dead body. Les habits d'un cadavre. The clothes. Of a corpse. Si un esprit de mort t'a suivi, if a spirit of death has followed you, parce qu'on t'a donné le pain d'un cadavre, because they gave you the cloth or the wrapper of a dead body, tu déclares que tu es libre. I declare that you are free. Que le démon s'en aille. Let the demon go. Va-t'en vite, vite. Va-t'en. Go. Va. Go. If there's somebody qui était dans une voiture, who was in a car, bien sûr une moto, or a motorbike, et il a fait la voiture ou la moto a fait un accident, and he had an accident, et
Un esprit l'a possédé depuis ce jour-là. And a spirit possessed him from that day. Et ça a laissé une maladie qui ne finit pas. And I've left a sickness that cannot be cured. L'esprit l'a suivi au lieu et au jour de l'accident. The spirit followed him on the place and the day of the accident. Va-t'en! Be gone! Va-t'en vite! Be gone quickly! Nous insistons. We insist. Si un esprit a suivi quelqu'un, if a spirit has followed somebody, le jour, on the day, et le lieu de l'accident, and on the place of the accident, nous cassons ton règne. We break your reign. Va-t'en vite. Be gone quickly. Écoute. Listen. S'il y a un esprit qui suit quelqu'un, if there's a spirit that is following somebody, esprit d'accident, il est un esprit d'accident. That he knows that he's a spirit of accident. Et il suit quelqu'un. And he's following somebody. Il suit quelqu'un. You follow somebody. La personne met la main, elle oublie. Tout est l'accident, l'environ. The accident surround the person. Il garde, les gens viennent le cogner. He parks and people comes and bump him. Va-t'en, toi. Be gone. Quand ta main demande qu'aucun esprit ne résiste. Stretch your hand and pray that no spirit will resist. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Que tout démon. Let every demon. On est en train de chasser ne résiste. That we are casting out resist. Nous brisons la résistance. Break the resistance. Écoutez. Listen. Dis-toi, démon. C'est you, demon. Qui pense que tu vas te cacher jusqu'à la fin et tu vas rester. Who thinks that you will hide yourself up to the end and remain? Nous te sortons de ta cachette. We take you out of your hiding place. Nous te délogeons. We dislodge you. Nous te délogeons. We dislodge you.
Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. 10 personnes pour un témoignage, 10 personnes seulement. 10 people to come and testify. Une, deux. Bien. Count well. Commence déjà. Start now. Gloire à Dieu. Jésus la sœur Kwasi a maturé hier pour faire des disciples. Niamé Marie Daniel. Faut dire que quand le pasteur a commencé à dire on a qu'à prier pour Marie de nuit. Souvent quand tu te couches, tu as l'impression que y a quelqu'un qui est sorti à toi et puis tu as eu l'envie. Faut dire que ça m'arrivait beaucoup. Et souvent quand je me réveille, je suis mouillée, je comprends rien. Et quand on est en train de prier, et quand on est en train d'insister, il y avait un homme qui est sorti de ma gauche et il y avait fer qu'il avait attaché sur ma main. Et le fer était attaché sur sa main. Et il était arrêté. Il pleurait. Il dit, oh, aujourd'hui vous m'avez eu. Vous m'avez eu. Et il pleurait. Acclamation à Jésus-Christ. Il a commencé à courir pour partir. Je vais bénir le nom du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kouadiane, disciple du pasteur Minier. Je voudrais partager avec le peuple de Dieu quelques visions que j'ai eues pendant la prière de combat. Quand le pasteur, je vais commencer par, quand on a commencé à prier pour les fibromes, c'est comme si le pasteur donnait des ordres. Tout de suite, il y a eu comme un gynécologue qui était là et qui était en train d'opérer toutes les femmes qui avaient les fibromes. Et les fibromes se détachaient, se détachaient, se détachaient. Les myomes se décollaient, décollaient vraiment des parties intimes de toutes ces femmes. Et quand on a commencé à prier pour tous les esprits qui étaient derrière certaines maladies, les esprits qui sont cachés dans les montagnes, dans les forêts, sous les eaux, c'est comme les anges rentraient sous l'eau et remuaient les dos pour enlever tous ces esprits. Les forêts... Au niveau des forêts, il y avait, toutes les forêts ont été rasées, comme les machines qui sont en train de travailler dans le village là-bas. Il y avait des machines comme ça qui rasaient toutes les forêts où étaient cachés ces esprits-là, ces démons. Ces forêts étaient rasées. Même les montagnes étaient rasées pour que tous ces démons, pour que tous ces démons-là partent. Et puis, on a commencé à prier pour un autre. À propos des mêmes démons, les maris de nuit, les démons étaient apeurés même, ils avaient peur. Certains démons avaient peur et reculaient au fur et à mesure que le pasteur donnait les sujets de prière et qu'on combattait, les démons avaient peur. Beaucoup avaient peur et fuyaient au fur et à mesure. Et quand on a commencé à prier pour la pauvreté et on a commencé à récupérer toutes nos bénédictions, ici, partout, toutes les bénédictions étaient jetées. C'était des sacs, c'était des mallettes de valeur. C'était beaucoup de choses que l'ennemi nous avait volées et que tout était rassemblé ici et chacun devait venir récupérer. Alors les gens se groupaient sur ces choses. Et puis une voix a dit non, chacun doit, les éléments, les objets doivent être identifiés. Tous les paquets qui sont là, chacun a quelque chose qui lui appartient. Donc, ce n'est pas la peine de voler. Gloire à Dieu. Je voudrais m'arrêter là. Que toute la gloire revienne au Seigneur qui a vraiment combattu pour nous ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Suivant. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Esther, mon faisait des disciples, c'est la sœur Didiane. Je vais dire merci au Seigneur. Pendant que le pasteur Meunier priait sur l'esprit de la pauvreté, je voyais les esprits sortir dans chaque rangée. Et après, je voyais au moment qu'il a commencé à nous bénir, que nous allons voir ce que nous venons de faire. Je voyais le frère, quand le pasteur Meunier parle, lui, tu parles en anglais, il avait attrapé les enveloppes. Et le pasteur Meunier mettait les enveloppes dans chaque main. Et moi, j'ai ouvert pour moi là. Ils ont remis pour moi, quand j'ai ouvert, il y avait beaucoup d'argent. Et puis cet argent-là, c'est pas de l'argent, c'est pas l'argent d'ici. Je vais bénir le nom du Seigneur pour cette vision, au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivant. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Colette Gay et mon fidèle disciple, c'est maman Colette Meunier. Je veux dire merci au Seigneur pour une vision que j'ai eue. Et pendant qu'on était en train de prier contre les montagnes,
Je me suis retrouvée au pied d'une montagne et c'est comme si j'attendais quelque chose. Et une grande main est venue du ciel, a pris une couronne qui était dans une des montagnes et a posé sur ma tête. C'est comme si la personne qui détenait ma couronne avait fui pour laisser la couronne dans la montagne. Et la vision est passée. La deuxième chose, c'est que le Seigneur m'a guéri tout à l'heure. Après la nuit de prière, je me suis reposée au réveil. J'avais un début d'angine, j'avais la fièvre. Et après la prière, vraiment ma gorge a été guérie. Je ne sens plus la douleur. Je veux dire merci au Seigneur pour cela. Amen. Gloire à Dieu. Je me présente le frère Gossé, Chris Ivan, mon fils et disciple, le pasteur Laurent. Je veux dire merci à Dieu qui m'a guéri du boule au pied. Tout à l'heure, quand Pépé Meunier priait, nous avons commencé à intercéder. Et le Seigneur m'a délivré du mal au pied de notre Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Edwige Néa. Mon frère disciple, c'est maman Mbati Esther. Pendant qu'on priait, le pasteur Meunier a dit que quand on intercède pour des frères, si quelqu'un a péché, il vit les conséquences de la maladie. Pendant qu'on priait, c'est comme s'il y avait un docteur là et les gens venaient, ils envoyaient les gens qui ne pouvaient pas marcher. On changeait leurs pieds. Ceux qui avaient mal aux genoux, on changeait leurs pieds. Et puis, ceux qui avaient leur sang était atteint de la maladie des VS, c'est comme si ils ont vidé leur sang et puis le sang était noir. Et on leur plaçait les nouveaux pots de sang. C'était comme si c'était à l'hôpital où on place les pots de sang. C'était là, les gens étaient alignés là. C'est ce que j'ai vu. Et la deuxième vision, quand on priait pour la pauvreté, vraiment, j'ai prié que la pauvreté, l'esprit me quitte. Et pendant qu'on priait, j'ai vu un vieillard. C'est comme s'il est sorti de moi. Et il tournait, il ne voulait pas partir. Il faisait, il ne voulait pas partir. Il comme là qu'on insistait. Et c'est comme s'ils ont mis les mélodes sur son bras, ils l'ont passé sur le sommet, ils l'ont jeté par terre ici. Et pendant qu'avant de le jeter, c'est comme s'il tenait quelque chose, il a versé un paquet d'argent devant moi et puis il est parti. Je vais dire merci au Seigneur de la délivrance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, je suis la sœur Dorisine. Je vais dire merci au Seigneur qui m'a délivré de l'asthmatique. Frère, il faut dire, je ne sais pas qu'il y a l'asthmatique. Faut que lorsque je dors, je ne peux pas dormir sur mon ventre, ni à côté. Il faudrait que je dors tout droit pour pouvoir bien respirer. Mais lorsque nous sommes venus prier, et lorsqu'on prie, on priait, c'est comme j'ai fermé mes yeux, j'entendais les voix qui disaient à côté de moi. Et quand j'ouvre mes yeux, je ne vois personne à côté de moi. Et je suis partie dire au ministre de délivrance que j'entends des voix. Il dit, va continuer de prier. Et lorsque je priais. Et lorsque papa Meunier a dit que l'esprit d'asthmatique va tomber. Lorsque j'ai prié, je suis tombée. Il ne va plus à respirer. Lorsque ils ont prié pour moi, il a vu que le Seigneur m'a guéri. Il veut lui dire merci, que toute l'honneur, grâce à lui, il arrive à bien respirer. Que toute l'honneur lui encore lui revient. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Bayemé. Moi, c'est la guérison. De fait, quand papa dit « jugeons les esprits des eaux », j'ai senti une fraîche, une douleur au niveau de mon bas-ventre. Ça m'a chauffé au moins 5 minutes et puis ça a cessé. La deuxième chose, quand il a dit « prions pour les esprits des montagnes », je me suis vu accroché au sommet d'une montagne et quelqu'un est venu me libérer. Il a mis une corde au niveau de mes reins. Il a commencé à défaire tout, et je descendais, je me voyais descendre à la vision, je me voyais descendre, et la vision s'est coupée. Je veux bénir le nom du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Je m'appelle la sœur Bamouni Thérèse. Le témoignage que j'ai rendu, quand papa a dit le sang, les sorciers ont vidé le sang d'une personne, et j'ai commencé à voir, c'est comme on me purifiait le sang. J'étais serrée, mais je me suis relâche. Alléluia. La deuxième témoignage, c'est quand papa a dit esprit des eaux. Et je me suis vue, c'est comme si mon papa, quand il venait, il adorait l'eau.
Donc, mon nom était Esprit de l'eau. Donc, j'ai vu que j'ai retiré mes biens dans l'eau. J'ai retiré mes biens, j'ai retiré mes biens. Et je vois que j'ai retiré, et m'ont donné une clé. Des clés, on dit, voici la clé, voici la clé. Va prendre tes biens, va prendre tes biens. Mon troisième témoignage, j'ai fait un accident. Je suis tombée dans le trou. On dit, à un serpent, les gens meurent. Mais moi, le Seigneur a permis, je ne suis pas mort, je vis. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur qui m'a délivré de tous ces démons. Au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Aka Lorraine et mon faisait des disciples, c'est le pasteur Siméon Kwaku. Pendant que le pasteur Meunier disait, je vous prions que les frères soient délivrés, qu'ils soient guéris, j'entendais, je vous délivre, je vous guéris, je vous délivre, je vous guéris. Et c'est mon témoignage. Amen.